Bonsoir mes chers élèves, bonsoir mes chers abonnés, surtout de la chaîne Geocomique TV. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne. Je suis Youssef Dalel, professeur de communication. Alors cette fois-ci, c'est une nouveauté toute fraîche. Il s'agit de la livrée de l'élève de la première année d'éducation primaire, intitulée tout simplement Dire, faire et agir pour apprendre le français. Alors pourquoi donc ce livret de l'élève de la première année éducation primaire? Écoutons donc cet avant-propos. Il s'adresse bien sûr aux élèves, mais réellement aux proches des élèves. Cher élève, ce livret est conçu pour toi. Ce livret est conçu pour toi. Il t'accompagnera tout au long de la première année de l'enseignement primaire. Il te permettra d'apprendre progressivement la langue orale. La langue orale selon une progression rigoureuse. Le livret est organisé en 6 unités. D'accord? De 5 semaines chacune. Les activités qui en sont proposées t'aideront à découvrir les sonorités de la langue française, à comprendre et à produire des énoncés oraux dans des situations variées, en rapport avec ton environnement immédiat. Cher élève, la diversité, la richesse et la complémentarité de ces activités te permettront, avec l'aide de ta ou ton professeur, d'interagir dans la joie et le plaisir avec des situations d'apprentissage à la fois ludiques et instructives et t'amèneront à maîtriser les moyens appropriés pour dire, faire et agir. Tu parviendras, cher élève, ainsi à investir des apprentissages en français pour agir et réaliser avec tes camarades de classe des projets motivants et attrayants. Prends soin donc de ton livret. Tu pourras l'utiliser aussi à la maison, toute seule ou tout seul, avec l'aide de tes proches. Je vous souhaite bon courage. J'espère de tout mon cœur que ce beau livret vous plaît, mes chers élèves de la première année d'éducation primaire. Allons-y, on va découvrir ce beau livret. Je découvre mon livret. Alors, pour les 2 semaines, 1 et 2, on a donc activité orale et communication. Je comprends. Je serai capable de comprendre le dialogue entre les personnages et répondre aux questions de compréhension aussi. Je produis. Je serai capable de produire moi aussi des énoncés de communication et de parler aux autres. Je dis bien la comptine, cantine et chant. J'apprends des comptines et réciter par cœur. Je dis bien la comptine. Je compte aussi. Je sais compter. Je serai capable d'écrire correctement. Dans la partie de graphisme, j'observe, je m'entraîne, je produis et j'y m'évalue. Alors j'espère que ce livret Dire, faire et agir pour la première année d'éducation primaire pourrait les aider à communiquer en français, à parler bien en français. On va commencer tout de suite. Activité orale, mon école. Je comprends. Je vous demande, mes chers élèves, d'observer bien la première image. Regardez bien l'image.
Quels sont les personnages représentés sur la première image? Vous avez donc ici deux images. Voici donc la première et la deuxième. La première image. Quels sont les personnages représentés sur la première image? Oui. Voilà, très bien. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Répondez. Très bien. Que font-ils? Que font-ils? Très bien. Maintenant, la deuxième image. Observez bien la deuxième image, mes chers élèves. Quels sont les personnages représentés sur la deuxième image maintenant? Répondez. Très bien. Où sont-ils? Où sont-ils? Oui, très bien. Que font-ils? Que font-ils? Oui, très bien. Voici donc les réponses. Écoutez bien, mes chers élèves. Quels sont les personnages sur la première image? Je vois deux enfants. Un garçon. Une fille, un garçon et une fille. Où sont-ils? La réponse est, ils sont dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. Que font-ils? Ils se présentent. Chacun présente. Chacun se présente. Chacun se présente. Il se présente. Maintenant, les réponses des questions de la deuxième image. Écoutez bien. Quels sont les personnages représentés sur la deuxième image? Je vois deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. Où sont-ils? Ils sont dans la cour de l'école. Ils sont dans la cour de l'école. Que font-ils? La fille présente son ami au garçon. La fille présente son ami au garçon. Maintenant, mes chers élèves, on va lire ensemble ce dialogue. C'est la rentrée scolaire. Ali rencontre Mina et Aïcha dans la cour de l'école. Ali, bonjour, je m'appelle Ali, et toi? Mina, moi je suis Mina. Ali, qui est-ce? Qui est-ce? Mina, c'est Aïcha. C'est Aïcha. C'est la rentrée scolaire. Ali rencontre Mina et Aïcha dans la cour de l'école. Bonjour, je m'appelle Ali. Et toi? Moi, je suis Mina. Qui est-ce? C'est Aïcha. C'est la rentrée scolaire. Ali rencontre Mina et Aïcha dans la cour de l'école. Ali, bonjour, je m'appelle Ali. Et toi? Bonjour, je m'appelle Ali. Et toi? Moi, je suis Mina.
Moi, je suis Mina. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est Aïcha. C'est Aïcha. Très bien, mes chers élèves. Vous avez bien lu le dialogue. Maintenant, les questions. Elles sont vraiment très simples. Voici donc la première. Écoutez bien et essayez de répondre. Quels sont les personnages de ce dialogue? Quels sont les personnages dans ce dialogue? Quels sont les personnages de ce dialogue? Combien sont-ils? Combien sont-ils? Très bien. Maintenant, la deuxième question. Écoutez bien. Comment s'appelle l'ami de Mina? Comment s'appelle l'ami de Mina? Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-elle? Oui, très bien. Et comment s'appelle le garçon? Comment s'appelle le garçon? Oui, très bien. Maintenant, les réponses. Pour la première question, quels sont les personnages de ce dialogue? Combien sont-ils? Ils sont trois. Ali, Mina et Aïcha. Comment s'appelle l'ami de Mina? La deuxième question. Comment s'appelle l'ami de Mina? Elle s'appelle Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Et comment s'appelle le garçon? Troisième question. Et comment s'appelle le garçon? Il s'appelle Ali. Il s'appelle Ali. Répétez avec moi les réponses. Les personnages de ce dialogue sont trois. Ali, Mina et Aïcha. L'ami de Mina s'appelle Aïcha. Elle s'appelle Aïcha. Le garçon s'appelle Ali. Il s'appelle Ali. Alors, pour se présenter, on dit souvent: je m'appelle. Moi, je suis. C'est moi. C'est. Alors, sur cette page, vous avez donc quatre images représentant des personnages qui se présentent. Voyez donc la première image. Une fille qui se présente devant ses camarades de classe. Elle dit: bonjour mes camarades, je m'appelle Amina. Les camarades répondent par: enchanté Amina. Sur la deuxième image, un garçon qui est venu à la classe pour la première fois . C'est le jour de la rentrée. Il dit: bonjour mes camarades, moi je suis Ali. Les camarades répondent par: enchanté Ali.
On passe maintenant à la troisième image. Un garçon est venu à l'école pour la première fois. Il entre dans la classe et il dit à ses camarades: Bonjour, moi c'est Farid. Enchanté Farid. Maintenant la quatrième image. Une fille est venue à l'école pour la première fois, c'est une nouvelle. Elle entre dans la classe, elle voit ses camarades, et elle dit: Bonjour mes camarades. Moi c'est Chama. Enchanté Chama. Alors essayez vous aussi de parler. Maintenant c'est ton rôle. Présente-toi. Mes chers élèves, je vous invite à bien écouter cette comptine et apprendre par cœur. C'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est la rentrée. La maîtresse nous appelle. Hé, demoiselle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yasmine. Et toi, petit garçon, quel est ton nom? Je suis Yassine. On joue, on rigole. C'est la rentrée de l'école. Encore une fois. C'est la rentrée, c'est la rentrée. La maîtresse nous appelle. Hé, demoiselle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yasmine. Et toi, petit garçon, quel est ton nom? Je suis Yassine. On joue, on rigole, on s'amuse. C'est la rentrée de l'école. C'est la rentrée. C'est la rentrée, c'est la rentrée. La maîtresse nous appelle. Hé, demoiselle, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yasmine. Et toi, petit garçon, quel est ton nom? Je suis Yassine. On joue, on rigole, on s'amuse. C'est la rentrée de l'école. Alors, j'essaie de compter de 1 jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 3, 5, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. J'espère, mes chers élèves de la classe première année primaire, que cette séance était vraiment très intéressante pour vous et bénéfique. Restez toujours fidèles à la chaîne du Communic TV, c'est une chaîne pour apprendre. C'était avec vous, Monsieur Youssef Dallel, professeur de communication. Au revoir, à la prochaine.